Salut à toi, cinéphile de l'extrême, et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de 24 Hours Limit, encore un titre anglophone remplacé en français par un titre anglophone. Hein, mais qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Vous auriez pu l'appeler 24 heures limite en mettant un E à limite, ça aurait fait chier personne, mais vous êtes complètement con, hein, au marketing, vous êtes complètement con. Voilà, ça c'est un truc qui m'énerve vraiment, c'est ce principe de changer un titre anglophone par un autre titre anglophone, quoi. C'est comme appeler Hangover Very Bad Trip, ce serait complètement con. Ça c'est vrai ça. Bref, un film avec Ethan Hawke est réalisé par Brian SMRZ. Ouais, c'est ça, SMRZ. L'histoire c'est celle d'un tueur à gages incarné par Ethan Hawke qui va mourir, il va se faire buter par sa cible et en fait il va se faire ressusciter. Et quand il va se faire ressusciter, il va se rendre compte qu'il a que 24 heures à vivre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va être à la fois dans un revenge movie, mais aussi dans un film de rédemption. C'est-à-dire qu'il va se venger de l'entreprise qui lui a fait ça, et d'un autre côté, eh bien, ça va être la rédemption, parce que, oulala, il a fait des bêtises dans sa vie, et il faut qu'il répare ça dans les 24 heures à suivre, juste avant de mourir, pour que Dieu lui pardonne. Enfin, c'est à peu près ça, quoi. Alors, ce film, j'étais vraiment déjà de base, avant d'y aller, je regardais un peu ce qui se passait sur la toile. Et c'est vrai que globalement, c'était du « mouais » ou du « non ». Et d'un autre côté, il y avait quelques-uns par-ci par-là, ils disaient « ah si si, c'est quand même cool ». Mais globalement, sur ma page Facebook, les gens qui m'ont répondu, c'est pas terrible. Et je serais plutôt d'accord avec eux, quoi. C'est vrai que ce film, il a de très bonnes idées. Alors ça, c'est un truc que je pourrais jamais reprocher à Ethan Hawke, c'est que les films dans lesquels il joue, les films qu'il choisit, c'est toujours des films qui, à première vue, vont avoir une forme assez simple, et finalement, ce sont des scénarios beaucoup plus complexes. Il y a toujours quelque chose d'original dans les scénarios qu'il va choisir. L'un des derniers en date qui était vraiment excellent en termes de SF avec Ethan Hawke, c'était Prédestination. Et c'est vrai que quand tu lis le synopsis, tu t'attends à un truc banal. Et en fait, quand tu regardes le film, tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce que raconte le synopsis, quoi. La SF, c'est juste un prétexte pour te raconter autre chose. » Et ben là, c'est différent. C'est-à-dire que j'ai lu le synopsis et j'ai dit « Tiens, ça peut être un bon concept. La créature de Frankenstein, le truc ressuscité, etc. » En fait, quand tu regardes, tu fais « Ah non, finalement, c'est basique. » Donc, c'est l'effet inverse de Prédestination, si tu préfères. Donc, il y a des choses qui m'ont intéressé. Il y a des choses que je me suis dit « Ok, vas-y, c'est bon. C'est un film de série B, quoi. En mode revenge, on va tout faire péter. » Et c'est ça, quoi. Le film, c'est qu'on tout le long, c'est ça. C'est un hoc qui va faire boum boum un peu partout. Et il y a une sorte de suspense dans le sens où il a 24 heures avant de mourir, donc c'est une course contre la montre. Mais sinon, en soi, il n'y a rien d'intéressant. Enfin, il y a des choses intéressantes, comme dans Bright, mais c'est pas assez exploité, du coup, c'est grosse déception, quoi. Je pense que le film, s'il avait exploité, par exemple, le thème de la... Parce qu'en fait, il est sous psychotrope pour pouvoir survivre. Donc, en fait, il a des alus, il a des souvenirs qui viennent intercepter, des souvenirs qui viennent s'immiscer pendant des scènes d'action, donc du coup il est complètement déboussolé. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Mais ça va pas au bout. Ça va pas au bout, c'est juste... t'as l'impression que c'est limite anecdotique. Il y a même des phrases, par exemple, il y a des phrases qui sont... Tu sens que dans le scénario, c'est quelque chose qui est genre... Il y a une question de poisson qui reconnaissent l'âme, etc. Et tu sens que c'est quelque chose qui est très approfondi dans le scénario, mais qui dans le film est complètement débile, quoi. Débile dans le sens où c'est très très mal amené, hein. Il te balance ça au début du film, il te le balance à la fin, tu sais, comme ça, hop, pouf, morale de l'histoire, oh, c'est beau. Tu vois, c'est très bancal, quoi. Donc, je me suis dit, ok, bon, même les scènes d'action sont pas... Enfin, il y a des plans qui sont cool, il y a... certaines idées de montage qui peuvent passer, mais globalement c'est très série B, quoi. Je me suis demandé pourquoi ce film était sorti au cinéma et pas directement en DVD. C'est typiquement le genre de film qui devrait passer directement en DVD pour laisser place à un autre film qui lui était directement en DVD mais qui aurait mérité sa place au cinéma. Donc le film se pose vraiment là. Mais pareil, sur la question de la mémoire, je pense qu'il y avait vraiment des choses à faire et qu'il y a des choses qui ne sont pas anodines dans ce film. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours, dans les films dans lesquels joue Ethan Hawke, il y a toujours quelque chose d'intéressant, il y a toujours
Je pense vraiment que quand il lit un scénario, il doit se dire, ok, là, il y a un truc très intéressant. Donc, peut-être que lui, sur le coup, là, contrairement à Prédestination, il a peut-être dû extrapoler, contrairement à ce qu'il a lu. Il s'est dit, ouais, en fait, ça va beaucoup plus loin. Et quand tu vois le résultat final, bah, c'est le même effet que sur toi, quoi. C'est qu'au début du film, tu dis, ah ouais, ça peut aller très très loin, ce truc. Et quand tu regardes tout le long, tu dis, oh, en fait, juste ça pour ça, quoi. Tu te fous de ma gueule, quoi. Mais il y a des choses. Il y a notamment une chose vraiment que je pense qui peut être intéressante à analyser dans ce film. C'est à un moment, il est question d'un sac Wolverine. Voilà, il est question d'un sac Wolverine. Et je peux pas m'empêcher de faire un lien. C'est-à-dire que Wolverine, c'est quoi? Enfin, Wolverine, c'est qui? C'est un mec, c'est un mercenaire. C'est un mec qui a perdu toute sa famille, comme Ethan Hawke dans ce film. Et ça, on sait dès le début du film, donc c'est pas du spoil. Et en fait, ce Wolverine, enfin Wolverine, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa famille, qui est mercenaire, et qui a toujours été dérangé par ses souvenirs, ou par le manque de souvenirs. Donc voilà, c'est toujours un animal en cage qui a eu des problèmes, notamment à cause de ses souvenirs qui n'arrivent pas à revenir à la surface, ou de ses souvenirs qui reviennent à la surface et qui sont complètement atroces. Et qui du coup le fout toujours en PLS, quoi. Il est toujours pas bien, le gars. Et en fait, c'est très facilement faisable de faire l'analogie entre Wolverine et le personnage d'Ethan Hawke. Parce que Ethan Hawke, c'est un ancien mercenaire qui a voulu tout arrêter. Sa femme et son gosse se sont fait buter. Enfin, ils sont morts, on t'explique pas. Ouais, ouais, c'est pareil. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais c'est ultra prévisible. Hein. T'as à peine commencé les 15 premières minutes que tu sais déjà où ça va. C'est pour ça que je dis ils se font buter, parce que tu sais déjà qu'ils se sont fait buter. Tu sais pas comment. Enfin, tu sais pas comment. Tu te doutes comment, mais on te le dit pas tout de suite. Et donc, en fait, oui, voilà, c'est un mec qui est complètement dérangé par ses souvenirs. Et donc, le fait d'avoir le sac Wolverine, bah, ça fait un lien. Je pense vraiment que le sac est pas anodin. Je pense pas que ce soit juste histoire. Je pense pas que ce soit juste le fun de faire une référence à Wolverine. Petit problème, c'est qu'à la fin, le gamin qui, en fait, ils disent que Wolverine est cool et que Hulk, c'est nul d'être Hulk. Et à la fin, ce qui est dommage, c'est que Ethan Hawke dit au gamin salut Wolverine, et que le gamin lui répond salut Hulk. Ça aurait été plus intéressant que le gamin lui dise « Salut Wolverine » et que le Ethan Hawke dise au gamin « Salut Hulk ». Parce que là, le parallèle aurait vraiment été, mais il se serait vraiment calqué, quoi. Donc voilà, moi je vous le dis, le film est pas ouf. Le film est imprévisible, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où je me suis dit « Ok, donc là tu nous racontes ça, donc ça veut dire qu'à la fin, il va y avoir ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça va se terminer comme ça. » Et en fait, j'ai eu raison du début à la fin. Mais c'est frustrant, hein, de te dire, putain, j'ai eu aucune surprise pour un film qui pouvait m'en réserver. Donc voilà, c'est très très moyen, quoi. Que dire de plus, hein, y a pas grand chose de plus à dire, c'est ça le truc. C'est action très très banale, une histoire qui aurait pu être très très intéressante, mais qui se limite au strict minimum, parce que c'est même pas le minimum de ce qu'on peut attendre, quoi. C'est encore plus en dessous. Donc si j'ai une note à lui donner, ce serait vraiment pas mal. Mais tu sais, c'est le pas mal à la limite, quoi, sur le fil. C'est genre, je suis à 5 piles, mais genre un truc de plus qui m'aurait saoulé, j'étais en dessous de la moyenne. Donc voilà, je sais que certains sur Facebook m'ont déjà donné leur avis, hein, assez bref, mais si vous voulez plus vous exprimer, ben n'hésitez pas, hein, sous la vidéo comme d'habitude. Je sais que la plupart l'ont trouvé moyen, et c'est normal, je les comprends totalement. Là, je pense vraiment que le film, on est quasiment tous d'accord pour dire qu'il est très très moyen, alors qu'il y avait du potentiel. Donc voilà, Ethan Hawke, moi je m'en fais pas pour lui, parce que c'est un mec qui choisit très bien ses films, mais il prend des risques. C'est ça le truc, hein, c'est que là, quand il a lu le scénario, à mon avis, il s'est dit, ah ouais, là il y a des choses à faire. Et puis ben, il s'est retrouvé dos au mur avec un film un peu plus banal que ce que le scénario devait lui réserver, je pense. Il voyait peut-être les choses autrement. Ou alors, il s'en battait les couilles, il s'est dit, vas-y, je vais faire un film comme ça, quoi. Je n'en sais rien, mais de la part d'Ethan Hawke, qui fait de plus en plus des... Enfin, qui a toujours fait, en fait, c'est pas de plus en plus, mais qui a toujours fait des... joué dans des films assez spéciaux, hein, qui ont toujours une fibre SF très intéressante, ou une fibre scénaristique très intéressante. Il s'est peut-être dit que là, c'était l'occasion de refaire un nouveau film avec cette fibre, mais on n'y est pas du tout, quoi. Donc vraiment décevant, parce que
je pouvais m'attendre à mieux. Mais les acteurs, moi Ethan Hawke, j'ai kiffé le suivre, hein, du début à la fin, j'étais vraiment avec lui. Et ça aussi, c'est intéressant. Putain, ouais, j'ai pas pensé. Juste une dernière parenthèse avant de partir, avant de vous laisser. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas encore exploité comme il faut. C'est pour ça que ça m'a pas traversé l'esprit au moment où j'en parlais, la mise en scène. C'est qu'il y a une vue subjective qui fait à la fois très jeu vidéo, mais qui nous permet aussi d'être à travers le personnage. Et donc, ouais, il y a des séquences de FPS un petit peu, voilà. Mais ça va pas au bout. Par exemple, un film comme ça, ce genre de film, ça aurait été intéressant qu'à partir de la résurrection, pouf, on soit complètement en vue subjective. Alors là, ça, je pense que ça aurait été génial, quoi. Je pense vraiment qu'il y aurait eu un truc à faire à ce moment-là. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas trop grave, quoi. C'est pas alarmant, c'est qu'un film après tout. Et puis il n'est pas si catastrophique, disons que j'ai vu pire. Bon, après là, c'est de ce que j'ai vu en 2018, hein, c'est que le début d'année, et c'est le pire film que j'ai vu, quoi. Enfin, de ce qui est sorti, hein, parce que j'ai regardé La Maison de Cire il n'y a pas longtemps, donc avec Paris Hilton. Mais voilà, c'est un film qui date de 2005. Là, en 2018, c'est, pour l'instant, c'est le moins bon, hein. Clairement, c'est le moins bon. Donc voilà. Je vais vous laisser, hein, je vais pas vous laisser galérer plus longtemps avec moi. Et puis likez et partagez la vidéo si vous l'avez aimé. Et puis je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut !